Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel, je viens de terminer mon tout dernier terrarium. Et donc on va consacrer cette vidéo à la conception de ce terrarium donc pour serpent. Et plus particulièrement ici, c'est un boa constrictor Imperator. J'ai utilisé plusieurs matériaux, donc des planches de bois OSB 3 en 12 mm, dont les dimensions vont s'afficher juste ici. Deux vitres en verre, deux rails en aluminium, trois bombes de mousse polyuréthane expansive, deux panneaux de polystyrène extrudés, 20 kg de mortier hydrofuge et plusieurs teintes de peinture acrylique. J'ai également utilisé plusieurs outils, dont une perceuse, des vis, une scie cloche, de la colle à bois, du silicone neutre. Donc j'ai filmé toutes les étapes de sa construction dans cette vidéo et je vais partager avec vous l'avancement du projet et jusqu'à du début à la fin. All around, the wind blows, we would only hold on to let go.
montage, faut savoir que j'ai filmé beaucoup plus. En fait, j'ai filmé tout ce que j'ai fait. Toutes les heures passées dessus, j'ai tout filmé. Ça faisait beaucoup trop montage, donc j'en ai coupé une grande partie. Sinon, la vidéo allait durer éternellement. Pour le terrain final, donc il fait 1,40 m de long sur 60 de profondeur sur 50 de hauteur. J'ai choisi ces dimensions non pas au hasard, mais parce que elles correspondaient parfaitement à la surface de mon meuble que j'ai actuellement. Et puis ce sont des dimensions respectables bah, pour mon serpent. Comme vous avez vu, j'ai mis des lampes. Ces lampes, je les ai achetées à Leroy Merlin pour 25 ou 30 € maximum les trois. Donc j'ai trouvé ça cool et je me suis dit je vais essayer. Elles sont là uniquement pour le côté esthétique, donc uniquement pour éclairer le terrarium. Elles ne sont pas là pour faire de la chaleur ni des UV évidemment. J'ai un tapis chauffant, donc ça je l'ai pas montré au montage. Bon, je l'ai filmé. J'ai pris donc un tapis chauffant, une plaque de plexiglas que j'ai trouée à la perceuse et que j'ai mis dans le côté droit pour faire le point chaud. Donc voilà pour les lampes. Pour ce qui est du décor, donc hormis le décor de fond que comme je vous ai montré, je l'ai fait au ciment. Le décor et le reste est assez minimaliste. J'ai quand même essayé de mettre quelques vraies plantes, même si je pense qu'elles ne vont pas résister longtemps. Voilà, j'ai quand même essayé de les mettre, on verra bien. Le substrat, c'est de la tourbe avec des substrats de coco là, avec des brindilles, des choses. Voilà, je voulais faire quelque chose de naturel. Le bac d'eau est tout simplement, c'est un bac en ciment que j'ai acheté pareil dans un magasin de bricolage. Voilà. Donc j'espère que bah, ça vous a plu. Merci de me suivre. Voilà, merci toujours de m'avoir regardé. Et si vous avez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, ou même si vous avez des conseils ou des questions par rapport à ce que j'ai fait, voilà, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook, sur la page Viridis Reptile, et j'en demande beaucoup plus en fait de photos. Je mets pas mal de photos, je partage pas mal, donc n'hésitez pas aussi à me suivre là-dessus. Puis si vous avez aimé, mettez un petit pouce, voilà, hein, ça fait toujours plaisir, hein, vous le savez. Bah, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, et puis bah, voilà, à bientôt, ciao.